tellement heureuse de te retrouver cher Playé, aujourd'hui. Je suis vraiment excitée de continuer la vague storytelling que j'ai commencé la semaine passée, alors que j'ai lancé mon atelier storytelling 101 pour développer l'art de raconter des histoires qui inspirent, qui influencent, mais surtout qui te permettent de vendre. Parce que c'est bien beau raconter des histoires, mais des fois quand on arrive en live, quand on arrive dans un lancement, d'être capable de Mettre des morceaux de casse-tête ensemble, puis d'être capable de faire des liens qui ont de l'allure, puis que c'est naturel, puis ça n'a pas l'air trop réfléchi ou trop vente, ce n'est pas toujours évident. Je sais que c'est un défi de plusieurs de mes clientes et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un atelier juste là-dessus, sur l'art de raconter des histoires, sur comment est-ce que tu peux faire pour raconter n'importe quelle histoire qui va faire du sens avec ton entreprise, avec tes produits, tes services, euh, comment est-ce que tu peux. Euh, rayonner à travers l'écran aussi quand tu racontes des histoires parce que c'est bien beau raconter, mais est-ce qu'on a envie de continuer de l'écouter ton histoire? Euh, c'est pas parce que tu racontes une histoire qu'automatiquement, on a envie de t'écouter pendant des heures. Il y a des gens qu'on a envie d'écouter pendant des heures et il y a d'autres personnes qu'on a juste envie de faire autre chose. Fait que moi, je veux que tu deviennes captivante. Je veux que tu deviennes attrayante. Je veux que les gens, quand ils t'écoutent, ils te disent encore. <laughs> c'est ce que je souhaite pour toi. Alors aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager, c'est que on a bien beau parler de l'importance de captiver son audience, de l'importance de euh, partager un message qui rejoint les autres, mais des fois le problème, ce qui nous empêche de vraiment partager avec notre cœur, c'est nous-mêmes. Parce que notre narratif nous raconte des histoires, puis notre discours interne nous dit, ouais, mais telle affaire, ouais, mais telle affaire. Et ça fait en sorte qu'on n'arrive pas à propager tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, puis toute la belle mission, puis la belle vision de notre business parce que nous-mêmes, on se bloque et on s'en rend pas compte. J'ai sorti les phrases que j'entends le plus souvent dans mes coachings, dans mes groupes de formation, puis je le sais que c'est inconscient souvent, puis qu'on s'en rend pas compte quand on dit ça, mais en même temps, ça se peut que tu te retrouves aujourd'hui, puis que ça te sonne une cloche, puis tu fasses comme, OK, parce que je vais te dire une chose, puis je vais, je vais le régler tout de suite, n'importe qui. Peut raconter des histoires avec aisance et puissance. N'importe qui. Même toi qui se dis, ouais, mais pas moi. Je crois pas à ça parce que c'est une habileté, c'est une compétence. Souvent, raconter des histoires, c'est pas nécessairement inné. En fait, tu n'es pas en racontant des histoires. C'est sûr que si tu as eu un père qui toute ta vie, c'était le raconteur, là, qui comptait des histoires sur le bord d'un feu, puis sur le bord de... Euh, des, dans le souper, ton père racontait des histoires. Ça se peut que tu aies développé cette habileté-là facilement. Mais ça se peut que ce ne soit pas naturel pour toi non plus. Et c'est pour ça que ça se développe. Donc, c'est réglé. Toi aussi, tu peux le développer. Maintenant, c'est quoi les histoires que tu te racontes qui peut t'empêcher de propager un beau message que tu as à partager? Première histoire que tu te racontes peut-être, j'ai rien d'intéressant à raconter. Combien de fois j'entends cette phrase-là? Moi, j'ai rien d'intéressant à raconter. Et c'est facile de dire ça quand on se compare aux autres. Tu sais, des fois, on suit des gens sur les médias sociaux qui ont... Tellement des histoires, on dirait que, oh my God, cette personne-là vit tellement de choses que moi, j'ai l'impression de ne pas vivre. Et on se compare avec les histoires des autres. C'est clair qu'une cliente qui arrive dans un de mes coachings qui dit, hey, moi, quand je suis tes stories ou quand je suis tes médias sociaux ou quand je suis tes trucs, mon Dieu, que j'ai pas d'histoire, moi, dans ma vie. Parce que toi, tu voyages, là, tu passes de Costa Rica, tu es rendu à Montréal, après tu retournes en Outaouais, après tu retournes au Costa Rica, après ça se trouve que tu partes en voyage. Oh my God, me semble que moi, j'ai rien à vivre. me semble que je ne vis rien dans ma vie. C'est sûr que si on se compare avec les histoires des autres, ben déjà là, on va avoir l'impression des fois de n'avoir rien d'intéressant à raconter. Puis moi aussi, je pourrais avoir cette impression-là de rien avoir à raconter parce que la vie, est constamment en mouvement puis en changement. Et il y a des moments dans notre vie là, où on dirait qu'on vit tout en même temps. Ça t'est sûrement déjà arrivé d'avoir l'impression que tout bouge en même temps. Tu sais, des chaos de vie où est-ce que ton couple est en train de changer, mais ben, de changer, ça va pas bien, tu es en train de changer une de... <laughs> de de coupe. <laughs> Tu genre, tout, tout bouge, là. Tu es en remise en question dans ton couple. Il y a des amis avec qui c'est plus difficile. Tu es en train de peut-être changer de travail, changer de job. On dirait que dans la vie, c'est tout ou rien, tu sais. Des fois, c'est ça. Dans ce temps-là, là, tu pourras avoir 60 millions de choses à raconter. Et il y a d'autres moments où ben, c'est un petit euh, moment plus tranquille, où tu as l'impression que c'est assez stable. Mais sais tu quoi? Ça, c'est une histoire en soi. C'est qu'il faut vraiment aller apprendre à trouver les histoires, puis il faut vraiment développer notre radar à histoire, c'est ce que je dis souvent, parce que des histoires, il y en a partout autour de nous, dans le fond. Ça, je l'avais déjà dit, le storytelling est partout autour de nous, il faut juste être capable de le voir. C'est pas juste les grandes histoires qui sont intéressantes, puis les grandes histoires de ton entreprise ou de ton pourquoi ou... Les petites, moyennes et grandes histoires font le travail. Mais quand on se dit j'ai rien d'intéressant à raconter, c'est une phrase qui est difficile envers soi-même. Écoute ça, là. J'ai rien d'intéressant à raconter. Tu es vraiment en train de te rabaisser présentement. C'est pas euh, j'ai l'impression que quand je regarde sur les médias sociaux ce que les gens racontent, j'ai pas d'histoire de cette envergure-là. Ça, ok. Ça, je suis d'accord que tu le dises. Mais si tu dis, moi, j'ai rien d'intéressant à raconter, c'est que tu diminues ta valeur. Donc, c'est soit il y a un syndrome de l'imposteur, quelque chose en lien avec ta confiance en toi, tu as peur de l'échec, tu as peur peut-être de réussir. Il y a plein d'affaires, il y a plein de choses, mais ce sont des excuses. Parce que... Si tu dis que tu n'as rien d'intéressant à raconter, c'est peut-être parce que tu as peur de t'exposer, de te mettre de l'avant, de d'être vulnérable, d'être toi-même, de te faire juger. Mais ce n'est pas vrai, par exemple, que tu n'as rien d'intéressant à raconter parce que ce n'est pas les histoires qui rendent une histoire intéressante. C'est l'énergie qui est qu y a en arrière. L'histoire la plus plate au monde d'une fourmi qui passe sur un... un. quoi La fourmi est où Je <laughs> n'avais pas pensé à celle-là. Tu sais, la fourmi qui passe, là. Tu connais l'histoire de la fourmi qui passe On pourrait euh, penser au lièvre et la fourmi. Pas oh, le lièvre et la fourmi. Bon, je suis un peu mêlée. Le lièvre et la tortue, hein. Mettons l'histoire Le Lièvre et la Tortue. C'est quand même une bonne histoire. Sauf que tu pourrais la faire raconter à 10 personnes différentes. Tu pourrais faire raconter cette histoire-là à ta mère, à ton beau-père, à une de tes amies, à un conférencier que tu aimes vraiment beaucoup. Puis, il n'y aurait pas personne qui raconterait l'histoire de la même façon. Puis, peut-être que le conférencier que tu aimes beaucoup, qui raconte cette histoire-là, tu vas faire « Oh my God, quelle histoire percutante! » Et l'autre personne qui n'a pas de skill en storytelling, tu vas déjà avoir arrêté d'écouter l'histoire après trois secondes d'écart, tu vas être en train de penser à qu'est-ce que je vais manger pour souper ou à la fourmi qui est juste à côté de toi. C'est ça, il y avait une histoire de fourmi, je le savais. Donc, arrête de dire que tu n'as rien d'intéressant à raconter. C'est une excuse pour ne pas raconter tes histoires. Numéro deux, j'ai l'impression de ne pas avoir vécu de grandes souffrances suffisantes pour inspirer les gens. Donc, ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Euh, Je n'ai pas l'impression d'avoir vécu des grandes souffrances qui pourraient inspirer ou impacter les gens. On cherche souvent de big stories, surtout en affaires, quand on commence à faire du marketing, on nous dit il te faut une grosse histoire. Tu sais, là, l'histoire qui a été le déclencheur, qui a été le wake-up call qui a fait que tu as parti ta business là, tu sais, là. Cette histoire-là. Puis souvent, quand on écoute des conférenciers, quand on écoute des speakers, euh, quand on regarde euh, justement des gens raconter leur histoire, c'est souvent des grosses affaires. Genre, j'ai perdu mon père, euh, j'ai vécu un deuil, euh, j'ai été malade, j'ai fait un burn-out, j'ai fait faillite, euh, j'ai vécu un gros chaos dans ma vie, j'ai divorcé. C'est le genre d'histoire qu'on entend. Ça se peut que tu l'aies, cette histoire-là, puis si tu l'as, bien, tu peux l'utiliser si ça a eu un impact sur ta transformation. L'objectif, n'est pas d'utiliser une histoire qui fait pas de sens. Mais si, quand je te nomme tout ça, burn-out, maladie, décès, non, 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 t'es comme, « Hey, sérieux, moi, Steph, là, des histoires comme ça, j'en ai pas. J'ai l'impression d'avoir une vie... Peut-être que je peux me compter chanceuse, mais je n'ai pas vécu de gros drames, je n'ai pas vécu de grandes difficultés, mais j'ai quand même envie de partager quelque chose. fait Qu'est-ce qu qu'on fait quand on veut partager quelque chose, mais qu'on a l'impression de ne pas avoir le vécu qui vient avec? Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent et on n'est pas obligé de raconter de grandes souffrances pour venir euh, connecter puis impacter quelqu'un. Je pense que ce qui est important, c'est. D'être capable d'éduquer. Fait que si on n'a pas de, de grandes histoires à raconter ou de grands drames, c'est correct. Mais qu'est-ce que tu peux apporter aux gens? Comment tu peux les aider? Comment tu peux les éduquer? Comment tu peux les inspirer? Et après, Bien, tu peux raconter des histoires, même si ce n'est pas la tienne. Tu peux raconter des histoires de tes clients, tu peux raconter des histoires de, 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 de plein de, de gens autour de toi, de personnes qui t'ont inspiré, qui sont en lien avec ton message. Fait que les histoires, ce n'est pas juste des histoires de soi-même, mais c'est aussi d'être capable de raconter euh, des histoires qui sont en lien avec ton message. Il faut te sortir de la tête qu'il faut tout le temps raconter des affaires en lien avec la souffrance. Puis je trouve que des fois... Ça devient exagéré, on cherche tellement un bobo où est-ce qu'il n'y en a pas que ça devient pas authentique, c'est ça l'affaire. À force de gratter un bobo qui n'existe pas là, ton message, c'est plus le tien. C'est plus un message qui te ressemble. Puis je le sais que euh, souvent les coachs vont aller chercher le bobo, là. ils sont comme "Je suis sûr que tu as vécu quelque chose, tu as sûrement de quoi là On va aller gratter, on va aller gratter, on va aller gratter." Et au final, tu sors une histoire, mais tu es comme, ça me semble que je ne sens pas que c'est en lien avec ma business. Là, le but, ce n'est pas de raconter une histoire qui n'est pas authentique, qui n'est pas cohérente avec ton entreprise. Donc ça, c'est super important. Fait honnêtement enlève-toi ça de la tête. Tu n'as pas besoin d'avoir vécu des souffrances pour être intéressante puis pour avoir de l'impact. Numéro 3, c'est pas facile pour moi de divertir les autres. On pense parfois que storytelling, ça... Se mixe avec être divertissante. Il faut que je sois, genre, divertissante tu n'as pas besoin de jouer du ukulélé pour vendre du shampoing. Ça, je te le confirme. C'est sûr qu'on voit beaucoup euh, sur les médias sociaux des gens extravertis, parce que souvent, les personnes extraverties sont les personnes qui se mettent le plus de l'avant. Donc, c'est celles qu'on voit le plus sur Instagram, c'est celles qu'on voit le plus sur Facebook, sur TikTok. Et là, souvent, c'est des gens qui nous font rire, euh, qui nous divertissent, c'est le fun. Mais c'est pas vrai. Qu'on a besoin de divertir pour pouvoir influencer les gens, pour pouvoir avoir de la clientèle. Il y a des gens qui sont très tranquilles dans leur énergie, qui ont une personnalité plus introvertie et réussissent très, très bien. Et des fois, on a besoin de cette énergie-là. On ne veut pas que tout le monde soit pareil. Et il y a une chose aussi euh, qu'on a découvert, c'est que souvent, on pense que les gens vont se souvenir de nous parce qu'on les a fait rire ou on les a divertis. Mais souvent, ce qu'on se souvient le plus, c'est les émotions profondes et la vulnérabilité. Je lisais dans un livre, justement, je me souviens plus c'était quel livre, je lis beaucoup de livres, moi, en même temps. Mais je lisais dans un livre récemment que, justement, par rapport au storytelling, qu'à un moment donné, il y avait eu un mariage. Et dans le mariage, il y avait eu deux personnes qui étaient montées sur le stage. Le clown... Le clown de la place, genre, tu sais, ton ami super drôle qui se met à faire une chorégraphie en avant, là, puis, oh, yeah, Puis là, il fait rire tout le monde, les gens rient, les gens ont du plaisir, c'est le fun. Et la deuxième personne qui était montée sur le stage, c'était un ami de la famille qui était vraiment très, très, très gêné de monter sur le stage. Pour cette personne-là, c'était vraiment un défi. Et la personne le faisait vraiment pour les mariés parce que c'était important. De communiquer ce message-là. Et quel message vous pensez que les gens ont retenu? Est-ce qu'ils ont retenu le clown qui disait des niaiseries, qui faisait des jokes ou ils ont retenu le message de l'ami qui était peut-être un peu moins bon en storytelling, dans le sens que pas moins bon en storytelling. Il n'était pas moins bon en storytelling, mais c'est juste que la personne était peut-être moins divertissante en termes de mouvement puis d'action. Mais elle a été plus inspirante. Fait que l'inspiration vient beaucoup par les émotions, la vulnérabilité, beaucoup plus que faire rire les gens. Les gens vont se souvenir plus des émotions profondes que du rire. Ça fait du bien rire, mais c'est pas quelque chose qui marque la mémoire. C'est pas quelque chose qui marque nécessairement l'esprit. Alors que s'il y a quelque chose qui rattaché Quelque chose de rattaché émotionnellement, c'est merveilleux. C'est sûr que si tu es capable de faire rire puis euh, de rendre euh, tout ça émotif, parce que tu sais, des fois, les spectacles d'humour, de plus en plus, on va voir des spectacles d'humour avec, à la fin du spectacle, un moment touchant, émotif. C'est souvent ce qui fait qu'on se rappelle du spectacle. Oh, je me souviens quand Louis Joséo a parlé de ça. Oh, je me souviens euh, quand euh, telle personne a parlé de ça, quand Martin et Matt ont parlé de ça. De plus en plus dans les spectacles d'humour, il y a une section, il y a un segment qui est touchant et c'est ce qui fait qu'on se souvient. Tu sais, c'est difficile de, de dire une blague que quelqu'un t'a dit, mais redire une histoire qui est touchante, beaucoup plus facile pour le cerveau à retenir. C'est ça les trois histoires, en tout cas les trois phrases narratives que j'entends le plus dans mes coachings. Et si tu t'es retrouvé là-dedans, je pense que ça va être important de commencer tranquillement à changer ton mindset parce que tu ne pourras jamais devenir. Excellente dans le storytelling si tu penses que tu n'es pas intéressante, si tu penses que tes histoires ne sont pas assez souffrantes pour inspirer et si tu penses qu'il faut absolument que tu divertisses les autres. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on pense toutes ces choses-là ou une de ces choses-là, on essaye de mettre de l'avant des choses qui ne sont pas nous. Si tu essaies de divertir alors que ce n'est pas naturel pour toi, ça ne fonctionnera pas. Si tu essaies d'aller chercher des histoires souffrantes, mais que tu vois pas, toi, des histoires souffrantes qui sont en lien avec ton entreprise, bien ça va paraître que tu essaies de jouer le jeu. Et si tu ne te trouves pas assez intéressante, ça va paraître dans ta posture de confiance en toi qu'on va peut-être un peu moins sentir parce que tu vas toujours être un peu un pied sur le break. Tu veux raconter ton histoire, mais là, en même temps, tu trouves que tu n'es pas intéressant tu as peur de déranger, tu as peur de te faire juger. Donc, c'est super important d'éliminer ça le plus vite possible et à la place, ben développe tes compétences en storytelling, puis tu vas pouvoir le faire avec moi le 9 juin prochain. C'est un atelier qui n'est pas si long que ça. C'est trois heures, mais très, très efficace. Un prix aussi qui est très, très efficace. <laughs> Je vais dire ça comme ça. Euh, 199,99 50 de rabais euh, en ce moment, donc avec le code Storytelling101. Puis, euh, j'ai bien, bien hâte. J'ai bien, bien hâte de faire ça avec toi. Ça va être vraiment, vraiment cool. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Viens me jaser sur Instagram si ça te tente. J'aime toujours ça avoir de vos nouvelles. J'aime toujours ça aussi si tes nouvelles, puis que tu viens d'arriver comme ça là, sur mon podcast. Tu l'as découvert, il a popé sur euh, Apple Podcasts euh, où une de tes amies te dit Hey, va écouter Steph, je l'aime bien viens me le dire parce que j'en vois de plus en plus des nouvelles filles qui à chaque semaine arrivent pop up dans mon Instagram et ça me fait tellement plaisir. Fait que j'aime-toi pas à me dire Hey, salut, j'ai commencé à suivre ton podcast Puis, euh, ben, euh, c'est ça. C'est juste ça que je veux. J'aime ça. J'aime ça, savoir qui écoute le podcast chaque semaine. Et tout ce que je te demande, c'est un 5 étoiles sur rapport Apple Podcast avec un commentaire. C'est comme ça que je continue le podcast semaine après semaine et que je le garde et que je le conserve gratuit pour tout le monde. Donc, je te souhaite une belle semaine et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!